On est 300 000 geeks! Wouhou! Salut les geeks, c'est Adrien. Et aujourd'hui, je suis super heureux de vous faire cette vidéo spéciale. À chaque fois qu'on a franchi un palier un petit peu symbolique, et je dis bien on parce que c'est un travail d'équipe, les geeks, et ben on a toujours fait des vidéos où on essaye d'interagir ensemble. Je vous ai téléphoné, on s'est vu sur Omegle, sur Snapchat, on a fait plein de trucs ensemble. Et aujourd'hui, pour fêter 300 000 geeks sur ma chaîne YouTube, et ben j'ai fait appel à vous sur les réseaux sociaux. Et j'ai même mis une petite chemise pour l'occasion. Bon après, vous connaissez la technique, hein, j'ai repassé que le devant, pas le derrière. Mais chut! Je vous ai demandé sur Facebook et sur Twitter quelles sont les histoires de votre enfance que vous croyez être vraies et qui se sont révélées fausses ou idiote par la suite. Par exemple, moi quand j'étais petit, je croyais que l'eau de toilette, et ben ça venait des toilettes. J'imaginais qu'il y avait vraiment des gars qui prenaient l'eau des toilettes et qui se parfumaient avec. Oui, bon, j'étais un petit peu con en fait. Et à la fin, c'est moi qui prendrai la parole et qui vous expliquerai pourquoi je vous ai demandé ça. Mais ben alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous m'avez raconté sur Twitter? Pricer nous raconte: quand j'étais petit, je pensais que quand on jouait à un jeu contre l'ordinateur, c'était contre une vraie personne qui était payée. Ah ouais, donc tu croyais que l'intelligence artificielle, c'était un vrai gars, c'était son métier, il était payé, il avait fait des études pour jouer contre toi. Moi, je suis tellement nul aux jeux vidéo qu'il y avait un gars qui était payé pour jouer contre moi, je crois qu'il serait payé très très cher. Y'a Stark qui nous raconte: quand j'étais petit, je croyais qu'en grandissant, je développerais des super pouvoirs méga cool, mais ce n'est pas du tout le cas. Quoi Stark, toi t'as pas de pouvoir? Mais on en a tous un, moi j'en ai un aussi, regarde, je peux faire ça. Mais après, je t'avoue que le don d'invisibilité, c'est pas super pratique pour faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si les gens accrocheraient trop au concept en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi aussi, quand j'étais petit, je voulais trop avoir des super pouvoirs. J'aurais aimé voler, j'aurais aimé voyager dans le temps, j'aurais aimé pouvoir lire dans les pensées des gens. Et vous les geeks, vous auriez aimé avoir quel pouvoir? On a Amidou qui nous raconte: quand j'étais petit, je pensais que les pubs étaient vraies. Hashtag la montre Ben 10. Ah, d'ailleurs, elle est où ma montre? Ouais, je me souviens, la montre Ben 10, et ben elle te permettait de te transformer en plein de monstres différents et tout, c'était vachement cool. Y'a le gamer 12 qui nous raconte: quand j'étais petit, je le suis encore, mais bon, je pensais que grâce à la soupe, je deviendrais un géant. Je vais être très honnête avec toi, Mathieu, si tes parents ils t'ont arnaqué. Non, pour grandir, il faut laisser des likes à mes vidéos, c'est certain. Natix nous dit: hey, quand j'étais petit, je croyais qu'à l'époque la vie était vraiment en noir et blanc. Non, mais c'est vrai que quand on était petit, on a dit ou pensé pas mal de conneries, notamment toi, Natix. Mais ça fait plaisir quand même. Anaïs nous raconte que quand elle était petite, elle croyait que le bac c'était tu tires un papier et tu fais le métier qui a écrit dessus. Donc selon ta logique, tu pouvais devenir président ou SDF en fonction de ce que tu tirais. Moi, je sais pas si je l'aurais tenté comme ça, hein, franchement. Mon pote Jamel Babouche nous raconte que quand il était petit, il croyait que quand il y avait du tonnerre, c'était le bon Dieu qui pétait. La question qu'on peut poser, c'est: quand toi tu pétais, est-ce que tu croyais que ça allait faire du tonnerre? Quand il était petit, Céline nous raconte qu'il croyait que les jumeaux faisaient tous les mouvements en même temps. D'accord, donc tu croyais des jumeaux c'était des robots ou des miroirs? Et comment ils font pour aller aux toilettes? Et comment ils font pour faire l'amour? Ça ne fonctionne pas ce que tu pensais. Inox, t'aurais dû y penser étant petit. Ah, mon ami prodige me raconte: quand j'étais petit, je croyais qu'on me tendait des pièges, du coup j'évitais de marcher sur les lits entre les carreaux, etc. Non, mais tu croyais que t'étais poursuivi par qui? Je t'imagine prodige, quand t'étais gamin, tu devais être vachement stressé, le gars regardait derrière lui et tout, il croyait qu'on allait l'attaquer. Bon, après j'avoue que quand j'étais petit, moi j'aimais bien marcher sur les lignes blanches du passage piéton. Et je me disais: tout le béton qui est autour c'est de la lave, et si je touche la lave, et ben je meurs ou je perds un pied. Bon, et de temps en temps je joue encore à ça, c'est rigolo. Nous raconte: voilà, j'avais 6 ans donc vous manquez pas trop. Quand j'étais petit, je croyais que tous les animaux étaient des robots du gouvernement qui nous espionnaient grâce à des caméras dans leurs yeux. Ouais, donc toi étant petit, fallait pas te mettre avec prodige dans la même classe, hein. Les deux ils se prêtent pour des agents secrets. Gabriel nous dit que quand il était petit, il croyait que ses jouets bougeaient en son absence. Je te raconte pas les soirées où je les espionnais. Eh, mais vous avez tous été traumatisés dans votre enfance ou quoi? Alice nous dit: avant, je pensais que quand je mangeais les pépins d'un fruit, un arbre allait pousser dans mon ventre. Ça aussi j'y ai cru, j'avais trop trop peur. Et d'ailleurs, je crois me souvenir d'un dessin animé, je crois que c'est Choupi, où il mangeait une pastèque, il avait mangé des graines de pastèque, et durant tout le dessin animé il se disait: oh mince, je vais avoir des pastèques qui vont pousser dans mon ventre. Et la vérité, pendant des années après, j'ai fait super gaffe à ce que je bouffais. Quand même, j'avais pas envie de chier une pastèque. Gaïa nous dit: hey Adrien, quand j'étais petit, je croyais que le sel de baleine provenait des baleines. Tu penses à quelle partie du corps exactement? Bah oui, c'était le sel, la baleine. Mais j'avoue, je crois que j'ai aussi pensé ça quand j'étais petit. Pony nous dit: quand j'étais petit, je croyais que les jouets et Doudou parlaient ensemble la nuit. Eh, mais vous avez tous eu des problèmes avec vos jouets durant la nuit, je sais pas ce qui se passe. Moi, mes jouets et moi, on s'entendait vachement bien, ils m'espionnaient pas, ils déplaçaient pas la nuit. Par contre, je me souviens, j'avais quelques figurines Power Rangers qui s'étaient lancées dans un trafic de drogue international. Et c'était un petit peu compliqué à gérer à l'époque, surtout que j'avais 7 ans. Enfin bref, c'est une longue histoire. Allez, maintenant on passe à Facebook, les geeks. Le gars qui est trop motivé là. Oui, 300 000, ça fait plaisir. Alors, on est toujours sur la même thématique avec Emma qui dit que quand j'y étais petite, elle croyait que les jeux se réveillaient la nuit et du coup elle s'occupait d'eux comme des humains parce qu'elle croyait qu'ils allaient la tuer. Et mais normalement, les jouets c'est censé vous faire plaisir, les enfants, c'est pas censé vous traumatiser. Toujours dans la même thématique, Lorla, il nous raconte que lorsqu'elle était petite, elle croyait que si elle rangeait sa chambre, les monstres tomberaient et ne pourraient pas l'attraper. Et que si elle faisait son lit le matin, il se cacherait sous la couette en pour pas qu'elle devine qu'ils étaient là. Ah, et du coup elle mettait une figurine ou peluche d'un super héros pour faire peur aux monstres. Ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai Iron Man et Captain America derrière pour m'aider. Au moins Lorelai, tu avais des solutions, hein, contre les jouets. Gabi nous raconte que lorsqu'elle était petite, elle pensait que la vase qui est au-dessus des lacs, vous savez, les étendues de lentilles vertes, et ben c'était du béton peint en vert. Elle avait un jour voulu prouver à son frère qu'elle avait raison et elle a marché dessus et elle est tombée dans l'eau. Petite question Gabi, pourquoi t'as pas pensé à jeter un caillou tout simplement? Ah bah là forcément tu te sens bête. Kelly nous raconte: avant, quand j'étais en voiture avec mes parents, disaient il y a des bouchons,
on va arriver un peu plus tard que prévu, je croyais que c'était des bouchons en liège qui sortaient de la route car la police voulait nous énerver. Moi aussi, je comprenais pas cette expression des bouchons quand j'étais petit. Mais par contre, de là à imaginer que c'était les flics qui les posaient sur la route, je sais pas, parce qu'ils ont fini leur bouteille pour énerver les automobilistes, c'est n'importe quoi. Hugo nous raconte, quand j'étais petit, je croyais que lorsqu'il était marqué la photocopie tue le livre, au début des livres notamment, ça tuait vraiment le livre. Du coup, quand ma mère photocopiait des exercices de maths, je lui disais d'arrêter. Hugo, ta mère est une meurtrière. Céline nous dit, quand j'étais petite, je croyais que la femme de Dieu prenait sa douche lorsqu'il pleuvait. Dieu, il a une femme, j'étais même pas au courant. Et quand il y avait de l'orage, je pensais que Dieu était en train d'engueuler sa femme. Depuis, je vais mieux. Moi, Céline, je pensais que lorsqu'il pleuvait, c'était Dieu qui faisait pipi. Quand il y avait de la neige, il faisait caca. Et lorsqu'il y avait du tonnerre, c'était un peu comme Javel tout à l'heure, il pétait. Maxime nous raconte, j'ai toujours pensé que quand ma mère et mon père parlaient d'orgasme, c'était des organes. Déjà, d'où tes parents ils parlaient d'orgasme devant toi. Donc, je répète ce mot en exposé en CE1 et mes parents ont été convoqués. Je me demande à quoi devait ressembler ton exposé. Mathieu nous dit, quand j'étais marbeau et surtout en colo, je croyais que l'orage était synonyme de guerre. Du coup, je m'allongeais sur mon lit en mode commando. Le gars surmotivé. On a vu des conspirationnistes tout à l'heure. Former un groupe, je sais pas, vous entraînerez ensemble pour la guerre. Alex nous dit, moi quand j'étais petit, je croyais que le Père Noël se brûlerait en passant par la cheminée vu qu'on l'allumait tout le temps. Attends, moi je croyais que j'aurais pas de cadeau puisque j'avais pas de cheminée. Le traumatisme quoi, chaque Noël j'avais un doute. Mathis nous dit, quand j'étais un petit garçon, je pensais que lorsqu'une fille et un garçon s'embrassaient, la fille tombait enceinte. Je pense qu'on est beaucoup à avoir imaginé ça quand on était petit, et c'est certainement à cause de l'exposé de Maxime sur les orgasmes. Laura nous dit, quand j'étais petite, je croyais que j'étais obligé de me marier avec mon frère et que je devais faire des enfants avec lui. Ne me jugez pas. Quelqu'un peut appeler les assistantes sociales s'il vous plaît, on va t'aider Laura, on va pas te laisser toute seule. Axel nous dit, quand j'étais petit, je croyais que le mode avion sur téléphone s'activait seulement quand on était dans l'avion. La même, et je comprends pas pourquoi il y avait pas un mode de train et un mode métro. Oscar nous raconte, quand j'étais petit, je croyais que dans un yacht nature, il y avait de la nature dedans comme des arbres et tout. C'est chaud là Oscar, c'est vraiment chaud. Dorian nous dit que quand il était petit, il croyait que les fourmis étaient des grains de poivre, du coup il les mangeait. Ne m'invite pas à manger chez toi, Dorian. Hâte de moi, quand j'étais petit, on me disait que les femmes enceintes perdaient les os. Je croyais qu'elles perdaient vraiment des os, des os. Moi, j'y pensais exactement la même chose. Je me disais, mais attendez, mais elle va perdre tous ses os, mais elle va mourir. Et j'imaginais qu'il y avait des petits os comme des os de poulet qui tombaient. Enfin bref, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui l'ont imaginé aussi. Mélanie nous dit que lorsqu'elle était petite, elle croyait que quand on le disait aujourd'hui, on fait le pont, elle allait vraiment construire un pont. On a une future maçonne parmi les geeks. Ambre nous dit, quand j'étais petite, je croyais que quand quelqu'un tombait dans les pommes, il plongeait dans une piscine de pommes, mais mentalement, j'allais bien. Et franchement, ça aussi, on l'a tous imaginé quand quelqu'un tombait dans les pommes. Et quand j'étais gosse, je comprenais vraiment pas pourquoi les gens ils tombaient dans les pommes. Je me disais, mais pourquoi ils vont tous à la campagne? Pourquoi ils vont tous dans des vergers de pommiers ou je ne sais quoi? On était un petit peu cons quand on était petits quand même, hein. J'ai pas pu vous montrer tous les messages parce que vous avez été très nombreux à participer. Et d'ailleurs, je remercie chacun d'entre vous. C'était vraiment cool de voir ce à quoi vous croyez quand vous étiez petit et qui s'est retrouvé faux ou stupide par la suite. J'ai un petit peu raconté quelques anecdotes dans cette vidéo, mais maintenant je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi ce thème de la vidéo pour les 300 000 abonnés. En fait, vers mes 9 ou 10 ans, je me souviens que mes parents m'avaient offert la PlayStation 1. À l'époque, c'était vraiment une tuerie. Et en plus de ça, ils m'avaient abonné à un magazine de jeux vidéo que je recevais tous les mois avec un CD de démos de jeux et des articles sur les futures sorties ou des tests de jeux vidéo. Et quand je lisais les articles sur les jeux vidéo, étant gamin, je me disais, mais ils ont trop de chance les journalistes, ils peuvent tester tous les jeux, ils font ça toute leur journée, ils doivent trop kiffer. Et aussi loin que je me souvienne, le premier métier que j'ai voulu faire étant gosse, c'est ça. Je voulais être testeur de jeux vidéo. Et je me souviens que j'en avais parlé aux adultes autour de moi et qu'on me disait, Adrien, mais si ça existe pas vraiment, t'y arriveras jamais, pense plutôt à faire un vrai métier plus tard. Et je pense que vous voyez où je veux en venir les geeks. Par la suite, j'ai grandi, j'ai rêvé de faire différentes choses, j'ai rêvé d'être animateur radio ou encore journaliste. Et il y a un an et demi, je me suis lancé sur YouTube un petit peu par hasard. La suite de l'histoire, vous la connaissez puisque aujourd'hui on est plus de 300 000 geeks sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, YouTube, c'est mon activité principale. Et ce que je fais, c'est que je teste des jeux et que je me marre dessus et que je les partage avec vous, les geeks. Et au final, quand j'y réfléchis, j'ai envie de dire au petit Adrien qui avait 10 ans, tu vois, ton rêve de gosse, tu le fais et tu le fais grâce à tous les geeks. Et c'est à vous, les geeks, que je dois ça. Alors je vous dis un énorme merci du fond du cœur. Continuez à croire en vos rêves d'enfant, les geeks. Gardez cette part de magie, de mystère et de naïveté qu'il y a quand on est gosse, à croire que tout est possible parce que ça l'est. À chaque fin de vidéo, je vous dis que la vie est peut-être un jeu alors qu'il faut bien s'amuser. Mais si la vie c'est un jeu, alors pétez tous les scores, faites des cheat codes, trichez, finissez tous les niveaux, jouez avec vos potes et marrez-vous. J'espère que vous avez compris le message des geeks, et encore merci à vous. J'en vois qui commentent plein de vidéos, qui les like toutes, qui les partagent. Et même pour ceux qui sont là que de temps en temps, vous faites tous partie du Geek Gang et vous êtes tous dans mon cœur. On ira loin ensemble les geeks, je vous le promets, moi je vais rien lâcher. Alors lâchez rien non plus de votre côté. Cette victoire c'est pas la mienne les geeks, c'est la nôtre. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas les geeks que si la vie est un jeu alors, éclatez-vous au maximum et croyez en vous. Merci à vous les geeks. Ciao. Faut déjà y faire pipi. C'est l'avantage des vidéos. Personne n'est au courant. Ciao ciao.